France Bleu Vaucluse. On est bien ensemble. France Bleu Vaucluse. Et votre invité aujourd'hui, oui, c'est une auteure de livres illustrés, oui, qui sort un nouvel album. Oui, c'est Marie-Françoise Bongiovanni qui est en ligne avec nous. Elle est de Château-Renard. Bonjour Marie-Françoise Bongiovanni. Bonjour. Bienvenue. Dites-moi, il paraît que vos chats rêvent d'aller à l'école, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Bon, vous êtes auteur plein d'imagination, au point de nous offrir quelques aventures. Celui d'un petit lutin qui s'appelle Zip. Qui est ce petit lutin? Alors, c'est un petit lutin qui habite dans le jardin d'un petit garçon. Ouais. Parce qu'en fait, le lutin, tout le monde a un jardin et tout le monde a un petit lutin qui habite dedans. Ouais, sauf qu'on ne fait pas toujours attention à ça, mais il est là, voilà, le petit lutin. Hein. Et oui, vous sortez un album de ses aventures, qui est un album de saison, si je puis dire, Zip, au marché de l'automne. Ce sont les, oui, aventures d'un petit lutin qui découvre quoi, la saison. Les lutins vont faire leur marché à l'automne, ouais, parce qu'après ils hibernent à la nuit, donc là ils vont faire les provisions pour l'hiver. Alors, on suit ces aventures qui sont formidablement illustrées. Hein. Oui, par Chloé Perrotin, qui est une formidable illustratrice. Ce petit lutin, il existe depuis combien de temps? Combien d'albums? J'en ai deux. Donc, le premier, ouais, qui s'appelle Zip le lutin tout court, et puis le deuxième, donc, qui vient de sortir, qui s'appelle Zip au marché de l'automne. Pourquoi les grands-parents ou les parents de petits-enfants choisiraient cet album plutôt qu'un autre? Ben, les lutins, ça fait partie de l'imaginaire, de la féerie, parce qu'il y a des lutins, puis il y a des elfes, il y a tout un petit univers magique. Alors Zip au marché de l'automne, c'est le nouvel album de Marie-Françoise Bongiovanni, auteur de Château-Renard. Hein, et où peut-on acheter cet album? Où peut-on se l'offrir? Alors, déjà sur mon site, et sinon vous pouvez aller à la librairie La Plume au Vent à Château-Renard. La Plume au Vent à Château-Renard. Hein, ouf, voilà. D'accord. Mais écoutez, on laisse les coordonnées, toutes les références au standard de France Bleu Vaucluse, et on vous souhaite encore plein de belles aventures de ce héros Zip. Bonne journée Marie, Françoise Bongiovanni, à très bientôt. Merci.